Et salut à toutes, c'est Gonatron pour le 15e épisode de notre Let's Play sur Bloodborne. Et on se retrouve aujourd'hui. Je voulais, en fait, à la base, réexplorer un peu la zone, tuer quelques mobs, récupérer du coup quelques fioles de sang avant de retourner tenter le boss, on va dire. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, ici, j'avais pas exploré vraiment. Donc j'ai tué un ou deux mobs. Oh, je l'avais pas vu, toi. Donc, bah écoutez, je me suis dit je vais explorer ça avec vous. Tant qu'à faire. Vite fait, regardez ce qu'il y a. En sachant que vous aurez peut-être des coupures aujourd'hui, on va voir en fonction de si on réussit à battre le boss ou pas. Après, je vous avoue que si je passe 2 heures sur le boss, ça va un peu me saouler. Enfin, non, c'est pas que ça va me saouler, mais c'est juste que, bon, si vous avez l'épisode à un moment donné... voilà, si je passe 4 heures sur le boss et que j'y arrive toujours pas, bon, je vais avoir envie de faire un peu d'autres zones qu'on a vues, qui étaient ouvertes aussi en haut. Et puis voilà. Pour gagner un peu en niveau et on viendra faire le boss après plus tard. J'ai vu qu'ici il y avait une lumière en fait, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Donc, il y a 2 lumières. Du coup, je me dis, c'est normal quand il y a des lumières comme ça, voilà, c'est qu'il y a des gens à qui parler. Ouh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Étrangère venue participer à la chasse, quelle idée pathétique. C'est gentil. Quoi? Vous me prenez pour un monstre? Mais peut-être que moi aussi je vous prends pour un monstre. Partez de mon château. Sérieusement? Oh, j'en ai assez de vous. Quoi? Vous trouvez ça drôle? Eh bien, pas moi. Fichez le camp d'ici. Je veux rien avoir avec votre chasse au monstre. Ok. Bon, bah, lui, il est pas très accueillant. Et ici? Diantre, quelle odeur étrange. Mais c'est toujours mieux que la puanteur du sang et des monstres. Que voulez-vous? Je ne travaille pas pendant ma chasse et cet endroit ne convient pas à une dame. Je ne tiens pas à ternir votre réputation. Non mais c'est l'endroit où on voit tous bouler ou... Oh, Dieu merci, vous êtes une chasseuse, je me trompe. Connaîtriez-vous un lieu sûr? La nuit est longue et je n'ai presque plus d'encens. Je vous en prie, il doit bien y avoir un endroit où se cacher. Oui. Oh, merci, mon chou. Je vous verrai peut-être là-bas. Bon, bah, écoutez. Yes. Ça, je pense que ça rejoint, en fait. Bon, ouais, je vais y aller voir. Ouais, il faut des fioles. Hein. Je peux pas aller voir le boss comme ça. Ok, je me disais bien. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait aucun ennemi. Mais il y a une autre... Pour t'indoquer? Ah, oh, ah, nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'Église pour tout ce qu'ils font pour nous. Notre gratitude est immense, c'est sûr. Non mais. C'est le guet-apens en fait, c'est ça? J'ai pas signé pour ça. Hein. Vas-y, viens là, toi. Je parle juste à votre population, là. Laissez-moi... blablater. Y'a pas un truc à cibler ici? Si. Ok. Eh, ça va, là? C'est quoi ce piège à la con? Bon, je suppose que ça peut marcher, hein. Je dis piège à la con, mais... Chapeau de l'église noire, tenue de l'église noire. Ok, ouf, ok. Tout un... Une panoplie de l'église. Donc je m'en fiche un peu, mais bon, peut-être qu'elle est bien. Hein. Ok, des fioles. Ça rattrape un peu votre erreur. De m'avoir attaqué. Vous disiez? Ok, ils aiment bien juste l'église, mais ils veulent pas bouger. Ok. Que de monde ici? Soyez loués, toute cette foutue église, soyez loués. Et bonne chance pour la chasse, surtout. Yes, en fait, c'est que des attrapes couillons, en fait, dans cette rue, c'est ça? Oui, c'est ça. Yes. Bon. Ah, c'est sympa, le quartier, ici. Faut venir empoisonner. Et là, on revient sur... Ouais, je reconnais. Enfin, je reconnais. Oui. C'est là où on était tombé, on était mort. Non. Voilà. On tue. Ouh, le gros loup.
Il est... Hop là, il est un peu plus résistant que les autres, donc on va faire un minimum attention. Ouh, il fait très très mal. D'accord. J'ai compris. Il y a toujours le pote qui tire là. Viens là, mon loup. Oh là, le lock. Aïe. Red Dead. Génial. Alors, est-ce que le loup va me suivre? Oui. Ça tombe bien. J'ai envie de m'éloigner un peu de ce chasseur nul. Voilà. Alors, par contre, il est passé à travers le sol alors que. De tous les ennemis que j'avais tués juste avant, c'est celui qui m'avait filé des fioles. Donc c'est potentiellement celui que j'aurais eu envie de garder en vie pour qu'il me file des fioles, quoi. Yes. Alors par contre, toi, t'es un peu chiant. Tirer dessus. Voilà, couché, Médor. Fiole, parfait. Il m'en fallait. Donc rappelez-vous, il y a un épisode ou deux, je crois, on est tombé ici. Et du coup, tous les ennemis de la zone sont arrivés d'un coup et on s'est fait défoncer. Donc bon, là, ça... ouais, ils sont toujours à côté, on s'en fiche. Et donc, on n'avait pas pu savoir ce qu'il y avait ici. Donc bon, ça se trouve, c'est juste un raccourci, ça se trouve, c'est rien. On sait pas du tout. Mais écoutez, on va voir. Au pire, voilà, vous attendiez un épisode de boss, finalement, c'est un épisode d'exploration. Et puis voilà, tout va bien. Tout va bien. C'est quoi cette zone? Exige un mot de passe. L'adage secret de la grande cathédrale. Ah, on avait une part qui nous a demandé un mot de passe en effet. L'adage secret de la grande cathédrale. Bon, on connaît pas l'adage secret de la grande cathédrale. Ok. Et ça, c'est quoi? Un passage qui nous amène. Attendez. Que je me repère bien. Ça, de toute façon. On a besoin pour... Voilà, la cathédrale est par ici, on est d'accord. Ok. Je vais voir. Sauf que c'est nul, ça sert à rien. Balle de fer. Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé. L'armure qu'on avait. Chapeau de Luxe Noir. Bah, j'avoue, il est mieux que ce que j'ai. Mais en vrai, si je voulais... Enfin, la meilleure armure que j'ai, c'est le 650. Bon, je vais essayer de voir vite fait l'église noire. Et puis, on va voir. C'était les gants chirurgicaux, je crois, hein, pour l'église. Ouais, bon, c'est pas génial, hein. Je vais mettre plutôt celle-ci, qui est censée être la meilleure tenue qu'on a. Et puis, bah, écoutez, on va voir. Yes. Hop. Bon, c'est pas avec tout ça qu'on va se refaire notre stock de fioles, mais bon. Aïe. C'est ça qui fait un chien ici. Merde. Normalement, il y avait... Voilà, il y avait des... Je me souviens. Il y avait des comme ça. Et... Poupou. Non, il se prend pas le deuxième coup parce qu'il vole très vite. Tu es léger. Tu fends l'air. Bah écoutez. Salut. Ça te dirait de mourir. Yes, je bourre comme un taré, hein, je sais. Appeler Henriette. Oh mais oui, c'est vrai qu'on peut avoir de l'aide potentiellement sur les boss. Ah mais ça m'a coûté la lucidité. Donc je suis pas sûr de battre le boss, c'est pas extrêmement bien. Bon en vrai, je pense à ce qu'on va faire parce que le boss il est un peu chiant. Même s'il est pas censé être dur. Enfin de. Ce que j'ai cru voir, normalement il est censé. Voilà, on nous dit que voilà, il est pas censé être. Extrêmement compliqué, juste un sac à PV. Et voilà. Donc, c'est qui déjà Henriette? J'ai pas de mémoire. Hein. Et poupou! Son pote lui voit rien. Il est complètement aveugle. Il est quand même mollo pour pas qu'il nous entende. Et poupou! Ah bah il est pas tombé pour une fois. Oh des balles, je m'en fiche. Et il y a lui. C'est un gogo. Yes, bah, c'était efficace comme attaque. Grosse attaque surprise. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup de vie. Ah, et moi j'ai plus d'endurance. Yes.
En même temps, si je lui saute dessus, ça marchera peut-être mieux. Hein. Ouf. Ouais, comme ça. Oh, ça marche pas tant, ça. Yes. Ouf. Oh, ok. Eh ben, j'ai bien fait de pas appeler Henriette. Je voulais laver la zone pour être sûr d'arriver au boss sans souci. Yes. Bon, on y retourne. Ouais, je sais, c'est grosse vidéo aujourd'hui. Efficace, n'est-ce pas? En même temps, je suis obligé de laver un minimum la zone pour passer avec Henriette tranquillou. Salut. Tu es la nouvelle personne que j'ai appelée? Oh, bonjour, mon chou. C'est... Vous disiez vrai, son nom est sûr. Oui, merci, je vous suis redevable. Révérence. J'aimerais vous remercier, mais je ne sais que vous offrir. Je ne peux vous donner que mon sang. Mais voudriez-vous le sang d'une fille de joie? Je savais pas. Bon, écoutez, je n'en refuse pas un cadeau. Le sang d'Ariana. Ok, bah, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, mauvais clic. Bah, on va voir ce que c'est. Restore PV, accélère temporairement la récupération d'énergie. Le sang le prélevé sur Ariana, âme de joie du faubourg de la cathédrale, il restaure les PV et accélère temporairement la récupération d'énergie. Les membres de l'ancienne église du remède savent que son sang est similaire à ce qui jadis était interdit. Bon, écoutez, si ça régène des PV, moi je dis pas non, hein, après. Après, il n'y a l'air que d'en avoir qu'un, bon, c'est pas non plus méga efficace, mais... Salut. Tu me donnes des fioles? S'il te plaît. Non. Non, non, non. T'as pas compris. J'ai dit... Salut. Tu me donnes des fioles? Je me répète. Non. Non, non, il n'a pas compris non plus. Bon, du coup, j'en ai profité. Je l'ai tué une première fois et après, là, j'ai refermé derrière lui. Pour être plus tranquille, vu qu'on va faire le trajet plusieurs fois. Sans doute. Mais c'est vrai que dans Dark Souls, normalement, à partir du moment où on était humain, pour chaque boss, normalement, il était possible justement d'avoir de l'aide de... Bah de l'IA, en fait. Donc l'IA pouvait vous aider. Ouf, ouf. Ah mais non mais si si mais t'as deux aussi moi j'ai pas signé pour ça. Bougez pas les gars. Hein. J'arrive. Ah c'est toi que je veux. Non pas comme ça par contre. J'avais 6000 âmes sur moi. Oh putain. Bon tant pis. En vrai c'est pas les âmes qui me font. Enfin, qui me font chier puisque le but c'est de faire le boss, donc le but c'est, enfin c'est comme ça qu'on va perdre nos âmes. Je sais plus combien j'étais, ah mais merde, c'est vrai que j'étais déjà mort sur le boss, il me semble que sur le boss j'ai dû avoir 5000 âmes. Donc en tout j'ai dû avoir 10 000 âmes de perdu. Yes. Enfin 10 000 écho de sang, pardon. Bon c'est un peu chaud, bon je vais pas les laver. Tant pis. Il me semble qu'ils sont censés donner bah ils peuvent donner des fioles de sang moi. Donc bon eux je vais les tuer parce que ils m'ont déjà donné des fioles de sang. Et j'ai envie d'avoir des fioles de sang. Et je les one-shot pas, hein. Oh, mais pitié, donne-moi un truc, quoi. Fais un effort. Yes. On s'en soulève. Bon, en vrai, sinon, faut... Enfin, ce qui est chiant, c'est que moi, je vous ai déjà montré mon parcours de farm pour les... Pour les fioles de sang, c'est lui qui a mes âmes. Et les yeux qui brillent. Ça part du démon. Ah pardon. Oui, donc je vous avais déjà montré, mais... c'était ici. Oui. Ça qui sont deux. Oui, mon parcours de farm pour faire les fioles de sang, mais le problème c'est qu'on
En fait, il est pas extrêmement rapide, donc en fait, c'est long à faire. C'est pas méga passionnant en plus. Deux. Ah, ton pote, il a rien donné. Parce que là, je me dis, si j'y vais avec 13, avec un allié, mais que ça suffit pas, parce que justement, j'ai pas assez de fioles, bon, bah, j'aurais un peu les boules, quoi. Bon, je pense que je vais tuer les deux ici. Ceux qui sont en haut, près de la porte, puis on va essayer de bosser avec avec une alliée. Je tuerai pas lui. Tant pis. Je synchroniserai, j'essaierai de passer quand il verra rien. Ce qui est chiant, ça se trouve, c'est que celui-ci, ça se trouve, il loot. Tant pis. Allez, tu viens me voir carrément, toi. Pas habituel. Il descend. Déjà un quart d'heure. Oh. Et on n'a rien fait. Ah, c'est Bloodborne. Hein. Bah, c'est pour ça que j'hésitais à le faire en live aussi, mais bon. Mais en live, c'est plus compliqué. Pour moi, même si là, je vais être tranquille pendant une semaine et demie à peu près. Oui, oui, moi, montre-moi du doigt. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que tu sais que tu fais mal. Un peu. T'as intérêt à me looter des fioles, toi, parce que sinon je vais vraiment mal le prendre. Il a rien pris. Voilà, merci. Pas mort. Résistant. Oh, il loot pas mal quand même, hein, 300 et quelques. Balle de vif argent. Yes. Je veux dire, ou bien je commence à explorer les côtés. Au point où j'en suis. Voilà, on va tenter le boss avec Henriette. Je sais plus qui est Henriette du coup. Et bah il a pas le moral, non. Et puis on verra. Je me dis qu'avec un allié, normalement on a besoin de moins de potions de force. Enfin moins de potions pour se régénérer. Si on joue bien. Allez hop, on vire rien, lucidité. Et on se rappelle qui est Henriette. Non, Henriette, c'est pas le chasseur qui nous avait déjà aidé, non? On serait quand même pas lui à chaque fois. Ouais, peut-être très gentil, hein. Non. Ancien chasseur, Henriette. Ah bah tiens, lui aussi, il a le marteau. Eh, moi aussi, je l'ai. Je sais pas si c'est une bonne idée de me battre. Parce que j'avoue que cette attaque-là, elle est très rapide. Beaucoup plus rapide que celle-ci. Et vu que je galère à toucher le boss, bon, je vais essayer comme ça. On a des papiers de feu aussi, normalement. Mais c'est vrai que qu'on en a plus que deux. Allez, on va tenter avec Henriette. Hop. Oh, mais voilà pourquoi Henriette mettait quelque chose. Bloc, il avait... Non, je crois que c'était pendant le DLC qu'il avait fait un boss super dur. Et il arrêtait pas de crier Henriette parce qu'il l'invoquait pour l'aider. Quasi sûr que c'est ça. Peut-être pas le même Henriette. Je sais pas. Et si c'est le même, il a intérêt à être efficace. Allez, let's go. On va espérer ne pas se faire laver. On va espérer que. Qu'Henriette soit efficace. Re-salut. Ça fait longtemps, non? Ouais, je sais. Oh, je suis très nul, hein. J'esquive pas du tout, par contre. Pensez à esquiver de temps en temps, c'est utile. Peut-être mettre le papier de feu autant que j'y suis. Vu que c'est le moment où, techniquement, le début du combat, où... Oh là. Ouais, je vais essayer comme ça. Même si je suis lent, je me dis. Bon, par contre, ma vie. Vu qu'il est sur Henriette, techniquement, je me dis. Il y a peut-être moyen que. J'ai plus d'endurance en même temps. Je peux win.
J'arrive à lui mettre les grandes attaques, hein, c'est cool. Je prends assez cher parce que je vois rien avec ses poils. Et c'est vrai quand il fait son attaque par derrière comme ça, il me stoppe mon gros. J'arrive à lui mettre quand même assez cher, c'est plutôt cool. Elle est aussi à terre. Attendez. Je vais quand même lui mettre une petite attaque. Ce sera quand même plus pratique. Je vais être plus rapide, je vais utiliser moins d'endurance. Henriette fait les grosses attaques par contre. Hein. Yes. Le déloc, hein. Oh, on voit tellement que dalle. Il est horrible ce boss, hein. Même si je sais que j'avais vu des vidéos justement qui disaient que bon, normalement il était vraiment loin d'être difficile, one shot up facilement et tout. Je le bourre. On va faire gaffe quand même. Oh, j'ai plus que deux fioles. On a même pas mid life. Oh, il a tellement de vie. Mon dieu. C'est-à-dire la mid-life, mais... Oh. Quelle infamie. Il a tellement de vie. Il aime pas trop ce qu'on lui met. Hein. Bon, Henriette, par contre, super pratique. Hein. Oh. Non, pas maintenant, par contre. Je t'en prie, Henriette. Un effort. Je saluerai ta... résistance. Je louerai tes louanges aussi longtemps. Oh putain, meurs pas Henriette, je t'en prie, pas maintenant. Putain, c'est moi qui suis mort en étant correct. Yes, bon, on avait 3 quarts life. Yes, moi je sais pas si j'aurais plus intérêt à aller faire les zones annexes, gagner d'XP et du coup faire plus mal. Et revenir une fois que tu as plus mal, quoi. Parce que là... Pff, yes. En vrai, je me rends compte de ce qui est pas motivant, on va dire, dans le fait de jouer un blanc des fois et décourageant. C'est voilà, le fait que des fois on fasse un boss en boucle, il soit pas efficace. Et vu que là j'ai pas de fiole, enfin j'ai plus de fiole, ça veut dire, bon bah je vais même pas le recommencer maintenant. Tant que je suis chaud, tant que j'ai à peu près retenu, tant que voilà, je suis obligé d'attendre en fait. Je suis obligé d'attendre. Donc bon, en vrai, 22 minutes. Non, en vrai, je pourrais vous, tu sais, genre, je pourrais couper, aller farmer un peu, revenir, et hop, on se relance. Mais vraiment, j'ai la flemme quoi. Ah bah tiens, j'allais dire il est pas là le gros, mais... Pardon, je vais pas dire le gros, mais lui. Je voulais explorer aussi un peu ce qu'il y a autour, en effet, aussi. Ah, j'ai pas mal d'âmes aussi, là-bas. Ouais. Point où j'en suis. Donc il y avait ça, qui je crois est une zone optionnelle. Parce qu'il me semble que... Là, il faut qu'on fasse la vicaire Amelia. Ensuite, on a eu l'indice qui nous disait que, en gros, mot de passe, la cathédrale va nous ouvrir un mot de passe. Donc, je suppose que le mot de passe, c'est peut-être. Je sais plus si c'est zone principale ou zone secondaire. Je sais plus, il y a vraiment. Parce qu'en fait, j'ai fait une liste de. Je vais me concentrer. Bah, tout simplement des zones. Enfin, des boss, pardon, pour voir après où j'en étais dans l'aventure. Et j'ai essayé de mettre à chaque fois ce qui était en secondaire ou pas. Ah oui, c'est vrai que voilà, un chien, ça va être beaucoup trop rapide. Oh, je le touche comme le chien. Aïe. Et il me semble que, genre, si on enlève tous les boss secondaires, genre. Pardon. Bah. Évidemment, tout de suite, ça allège le jeu. Mais après, évidemment, ça allège le jeu aussi de plein de zones. Parce qu'il y a des zones qui mènent à des boss, qui sont des zones... Oh, putain. En même temps, trop... Ouais, mais... Ah, si, ça me saoule, là. Je vais saouler.
Ok, cette zone, il y a plein de tireurs. Bon, j'explore juste, on va dire que voilà, c'est la fin de l'épisode, j'explore juste. Mais en vrai, je sais que la meilleure solution pour un jeu comme ça, où c'est pas intéressant de voir toutes les morts, mais qu'en même temps, bah, on est obligé de les faire, donc en même temps, je suis obligé de les tourner, bah, ça serait évidemment de... J'arrivais. Bah, de faire en live, quoi. Mes épisodes seraient des... serait des résumés. Après sinon on pourrait très bien ne pas tout faire en live, mais je sais pas. Faut que j'essaye en vrai, faut que j'essaye. Donc je pense que je sais pas quand. Rendez-vous sur peut-être la chaîne Twitch. On testera ça. Parce qu'en fait j'ai. Ouais, faut que je teste, j'ai trop de trucs à tester. Parce qu'en fait, si je live, faudrait forcément que j'utilise mon boîtier d'acquisition pour live. Et il me semble que j'avais déjà fait des tests et que. Bah, il arrivait pas. J'enregistrais, pas de soucis, live. Donc, faut que je teste ça. Voir si ça marche. Parce que ça marche pas, c'est-à-dire qu'il faudrait forcément que je live depuis la console. Donc, depuis la PS4, avec le bouton share, ce qui pourrait marcher, hein. Le problème, c'est que je sais que. Bah, je vais devoir brancher un micro à ma PS4. Et mon micro USB est forcément moins bon que celui que j'ai en XLR. Alors attendez, on a vu qu'il y avait un truc ici. Sur le toit ici, on est d'accord, il n'y a rien. Hein. Sur le toit ici, il y avait un truc, non? Ah, je sais plus. Oui. Ah, moi, je vais sur les toits, hein, quand il y a des trucs. Nécrosant. Bah, c'est cool, parce que je vais remonter. Yes. Et que ça se trouve ici, si je suis en plein cœur de l'ennemi, de territoire ennemi. Oula. Salut. Oh, ouais, ils ont l'air violents. Il y a son pote aussi électrique là-bas. Par contre, j'adore son armure. Oh, il a tellement de vie. Il a tellement de vie. Oh, ouloulou. Ok. Oublie que j'existe. Oublie que j'existe avec son fusil à pompe là. Je veux juste explorer moi. Hein. Il y a une petite créature. Je veux juste explorer. J'ai aucune fiole. Yes. Salut. Oublie que j'existe. J'explore juste. Je veux juste savoir ce qu'il y a là. Là, il y a un truc à ramasser. Et là, il y a un grand bassin. Oh, ça fait très salle de boss, ça, quand même, hein. Nous sommes. Oh! Est-ce que je pensais? Salut! Yes, j'adore ce jeu. Oh, Dieu. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? La déchéance. J'appelle ça comme ça la vidéo. N'importe quoi. En vrai, oui, non, parce qu'avec l'aide d'Henriette, on a quand même bien entamé le boss. Est-ce que c'est tout que j'ai été voir, genre vite fait, enfin, sur le wiki, ce qu'il disait sur le boss. Et c'est vrai que bah, le boss qu'on avait battu avant, qu'on avait galéré, il avait quoi? Il avait 3-4 patterns et il avait quelques patterns qui se rajoutaient en fonction de sa phase 2, sa phase 3. Là, elle a beaucoup trop de patterns, c'était marqué sur le wiki, pour que bah on fasse en fonction. Donc bon, pff. Ça me saoule. I don't know what to do. Qu'ai-je fait pour mériter ça, hein? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Bon, on est à 29 minutes, donc de toute façon on va pas retenter un truc. On pourrait, mais je sais pas quoi. En bas, oui, voilà, c'était un. Qui s'ouvre pas et on s'est tué par un bidule. L'autre côté, c'est une grande forêt avec des chiens. On a l'endroit avec le mot de passe, mais tant qu'on n'a pas battu la vicaire Amélia, on n'a pas le mot de passe, quoi. Donc c'est mort. Et puis voilà, on a Henriette, mais bon. En vrai, sinon je pourrais juste farmer hein, pendant des heures, je me fais.
J'essaie de me faire de l'XP. En tuant des mobs ici, par exemple, dans toutes les zones. Jusqu'à ce que j'ai beaucoup, et je m'améliore plein de points, de force, de vie, de trucs, et on devient intuable. C'est ce qui s'était passé pour Nier Automata. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais farmé pour le DLC pour avoir la tenue spéciale. Et en fait, j'étais intuable après parce que j'avais tellement farmé, parce que il fallait être trop fort pour le DLC. Donc, forcément, on était intuable, quoi. Donc, il a plus de portée que moi. Voilà, c'est ce que je pensais. Évidemment. Donc bon. Je sais pas. Oh, putain. En fait, je bourrine trop sans faire gaffe à mon endurance. Putain. T'es quasiment mort. Vas-y, écrase mon cadavre, comme si j'étais pas là. Bon, je pense qu'on a eu assez de Bloodborne pour l'instant. En vrai, ça fait un mois qu'on a commencé à jouer à Bloodborne. On s'en est bien sorti au début. Là, on commence à sentir un peu le... Ouh. Mais après, c'est le fait que voilà, je tourne une fois... Enfin, deux vidéos d'une demi-heure par semaine, c'est peut-être pas beaucoup pour progresser dans le jeu, surtout que vous voyez que je fais plein d'esquives, je ne retue pas tout le monde dans les zones à chaque fois. Donc, potentiellement, je perds. Forcément, je perds beaucoup d'XP, quoi. Donc, forcément, que ça doit pas forcément aider à... gagner de l'XP et tout ça, quoi. Donc, bon, bref. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser, je pense, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse si c'était pas méga productif, on va dire. Mais bon, j'attends vos conseils avec impatience. Vos avis aussi, pour savoir, par exemple, pour le fait des lives, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Si j'en fais, est-ce que vous voulez des rediffs en entier ou pas? Plutôt sur YouTube ou plutôt sur Twitch? Même si, vu que j'ai un Twitch, techniquement, autant profiter peut-être pour mettre sur Twitch. Je sais pas, à vous de me dire, et on se retrouvera très vite pour la suite. Bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.